jugé en octobre prochain par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de fraude fiscale et de blanchiment, Isabelle Adjani a réagi aux accusations dont elle fait l'objet par l'intermédiaire de ses avocats. L'information est tombée ce mardi 18 juillet 2023. Isabelle Adjani sera jugée en octobre prochain par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de fraude fiscale et de blanchiment. Selon nos confrères de l'AFP, la célèbre comédienne est accusée d'avoir fraudé l'administration fiscale durant trois années, en 2013, 2016 et 2017. Elle est accusée d'avoir dissimulé une donation de 2 millions d'euros émanant de Diagna NDI, sous couvert d'un prêt, lui ayant permis d'éluder 1,2 million d'euros de droits de mutation et elle se serait fictivement domiciliée au Portugal, lui permettant ainsi d'éluder 236 000 euros d'impôt sur le revenu, a détaillé la source judiciaire. Fixée sur son sort en octobre prochain, l'actrice sera également jugée pour blanchiment, des faits commis entre les États-Unis et le Portugal en 2014. Elle est soupçonnée d'avoir fait transiter par un compte bancaire américain non déclaré à l'administration fiscale la somme de 119 000 euros provenant d'une société offshore aux bénéficiaires effectifs inconnus et destinée à un investissement au Portugal, a développé la même source à l'AFP. Des poursuites jugées infondées et disproportionnées si Isabelle Adjani n'a pas répondu dans un premier temps, ses avocats ont réagi. Isabelle Adjani conteste les faits reprochés et n'a commis aucune infraction, indiquent mais Julie Feril-Saison et Cédric Labrousse. La défense de la comédienne dénonce ainsi des poursuites jugées infondées et disproportionnées. Ses avocats vont même plus loin, l'administration fiscale française tente par tous les moyens de requalifier ce prêt en donation en dépit des remboursements effectués depuis des années, ont-ils dénoncé, expliquant qu'Isabelle Adjani s'est étonnée de cet acharnement. Concernant l'identité de Mamadou Diagna Ndiaye CIST, un homme d'affaires sénégalais, président du Comité National Olympique et Sportif Sénégalais, CNOS, et membre du Comité International Olympique, CIO. Il est également le parrain du fils de la comédienne, ont tenu à préciser les avocats de l'actrice. Isabelle Adjani est présumée innocente des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.